CEST malheureusement déjà terminé pour Gaël Monfils à l'US Open. Le Français a été éliminé au deuxième tour, mais une fois le match terminé, il n'avait qu'une seule envie, pouvoir retrouver sa fille au plus vite. Grosse désillusion pour Gaël Monfils à l'US Open alors que le Français arrivait plein d'espoir après une tournée américaine plus que réussie. Malheureusement, le joueur de 37 ans est tombé sur un Andrei Rublev, tête de série numéro 8 et qui ne lui a laissé que peu de chance. Une défaite en 4 sets pour le mari d'Elina Svitolina, qui fait pourtant partie des chouchous du public lorsqu'il arrive sur les terrains du Grand Chelem new-yorkais. Après sa défaite au second tour, il a d'abord eu une pensée pour la joueuse ukrainienne qui partage sa vie, en donnant priorité à Madame pour aller faire un beau truc, comme il l'a dit en conférence de presse d'après-match. La sportive de 28 ans est bien partie, même si elle aura fort à faire au troisième tour face à Jessica Pegula. De son côté, Gaël Monfils en a fini et il n'a plus qu'une idée en tête, retrouver sa petite Sky, née le 15 octobre 2022. J'ai tout donné et je n'ai qu'une envie, si est-il de voir ma fille, indique-t-il, même si tout dépendra de la volonté de sa moitié, mais si ma femme veut que je reste pour l'aider mentalement, bien sûr que je vais passer quelques jours encore ou, une semaine de plus, ici. Pour son anniversaire, qui tombe ce vendredi 1er septembre, le grand copain de Benoît Appert ne pourra malheureusement pas être physiquement avec Sky, resté en Europe, mais il a déjà trouvé la solution. Je fêterai mon anniversaire ici à New York avec ma femme et en FaceTime avec ma fille, raconte Gaël Monfils, qui a déjà prévu tout prévu pour la suite de sa saison, je ne jouerai que l'Indoor en fin d'année. Je vais passer du temps en famille, avec ma femme et ma fille. Visiblement, le manque se fait beaucoup ressentir pour le Français, qui s'est déjà exprimé sur le sujet il y a quelques jours. J'ai pu enchaîner, si est-il bien. Mais je ne referai plus car si est-il trop dur. Mentalement et physiquement, mais surtout mentalement. Si est-il trop dur d'être aussi loin de ma fille, expliquait-il lors des premiers jours de l'US Open. L'élimination de Gaël Monfils est donc un coup dur sportivement pour le tennisman, mais cela va lui permettre de retrouver sa fille et si est-il tout ce dont il a envie en ce moment.